Salut à tous, mardi 30 avril, c'est parti. On commence cette semaine avec de la natation. Je ressors les plaquettes, nos grandes copines, pour bien mettre les appuis, travailler un peu en force. Là, l'épaule, ça va beaucoup mieux. J'ai attendu une semaine, 10 jours, là, depuis que j'ai vu l'ostéo. Donc, on va pouvoir remettre un peu de charge. Et on double aujourd'hui parce qu'on est mardi. J'ai pas pu commencer hier parce qu'on est rentré de week-end hier. Donc aujourd'hui, natation le matin, home trainer l'après-midi. Ils annoncent de la pluie toute la semaine. Donc je sais pas si je pourrais sortir avec le vélo. On va voir. Dans tous les cas, je vais m'envoyer sur home trainer toute la semaine, hein. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'ai 5 jours pour pouvoir faire du home trainer. Donc ça, ouais, 4 jours. Je vais me faire 4 séances sur home trainer. On va voir quoi. Soit du spécifique, soit l'école comme j'avais fait. J'aimais bien aussi des sorties libres avec des cols dedans et tout. Et une natte. Donc il y aura une natte et 4, 5. Bon, on va voir si on fait 4 ou 5 vélos. On va voir. En fonction des séances. Allez, c'est parti. Bon, la piscine, ça s'est bien passé. 2 km 2, beaucoup de techniques. Travail en hypoxie, donc avec des respirations alternées tous les 5, 7, 9 coups de bras. Après, des longueurs avec tous les 8 coups de bras. Bref, beaucoup d'hypoxie. Des travaux avec les plaquettes. Donc 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres. Une espèce de pyramide comme ça. 1 km toujours d'échauffement avec 500 de nage libre et 500 pull buoy. Plein de trucs, plein de trucs, donc trop bien. Et là, bah, on va passer au home trainer. C'est parti, on va faire tourner les jambes pour les remettre bien pour la semaine. Donc je pense 1 heure libre. Voilà, tranquille. Et ça ferait une belle journée. Allez les gars, journée terminée. Petite heure de vélo là, 23 km. Histoire de relancer la machine pour la semaine. Et on va monter comme ça cette semaine. Hein. Vous voyez les crescendo sur le vélo. Parce que. Et au final, non, j'ai dit qu'il y avait qu'une natation, mais jeudi, je peux aller nager peut-être. On verra, hein, mais jeudi, je peux aller nager. J'ai cru que c'était férié. Il y a le 8 mai, jeudi de l'Ascension, j'ai cru que c'était cette semaine, mais non, c'est la semaine prochaine. Donc voilà. Je suis content parce que sur le vélo, le niveau des sensations, j'arrive vraiment à rajouter des tours minutes. Genre maintenant, quand je suis à 85 tours minutes, je me sens bien. Je peux faire 1 heure à 85. Là, je ne l'ai pas fait, hein, parce que j'aime bien me tester aussi, regarder un peu comment mes jambes réagissent et tout. Mais 85 tours minutes, je suis bien. Alors qu'avant, vraiment, j'étais essoufflé, j'étais là. Là, maintenant, je commence à être bien, ça tourne bien. Même si je maintiens que sur grand plateau et en force, je vais plus vite. Moi, hein, personnellement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont plus vite en moulinant, moi, non. Ou sinon, tout le monde va plus vite en grand plateau et en force, j'en sais rien. Mais moi, je sais que même au niveau des cols, enfin des cols, t'as compris, des montées, genre quand on est sur du 6-7% là, eh ben, je suis plus à l'aise sur grand plateau. Faudrait que j'essaye dehors, sur grand plateau, comment je me sens sur des montées par rapport au petit plateau. Même si je sais que ça va me fatiguer plus vite, mais peut-être du coup, ben, je sais pas, bref, on verra. Mais je suis content, ça progresse. Allez, à demain. Salut à tous, mercredi, deuxième jour d'entraînement. Pareil, on repart sur home trainer. Là, j'ai vu qu'il y avait un col de proposer, le mont Fuji. Donc il a l'air énervé, vraiment énervé, sur plus de 20 km et tout. Donc je sais pas si je vais aller au bout. Mais dans tous les cas, l'idée c'est de monter, de m'en mettre plein les pattes aujourd'hui. Donc voilà, après avoir doublé hier, aujourd'hui on s'en met plein les pattes. Demain, sortie longue. Et comme ça, ce sera cool. Enfin, sortie longue. Il pleut encore à verse, donc à mon avis, ce sera sortie longue, mais sur home trainer. Mais bref, objectif, se tuer au vélo. Eh les gars, j'ai trouvé un truc de ouf à faire. En gros, je fais 1 minute grand plateau, vitesse en bas, et 1 minute petit plateau, vitesse, je touche pas la vitesse. Juste je fais grand plateau, petit plateau, grand plateau, petit plateau. Ça me fait du 275 watts en grand plateau et du 140 en petit plateau. Et comme ça, au moins. Merde, j'ai derrière. Oh le con. Ouais, je disais. Comme ça, ça me permet de déjà faire passer le temps parce que c'est chiant. Et puisque là, je vais faire 1 heure intense parce que demain, je fais une sortie longue sur home trainer. Donc en vrai, j'ai envoyé du steak là. 1 minute, 1 minute. 6 fois. 6 fois, 1 minute, 1 minute. 3 minutes. Et un deuxième bloc de 6 fois, 1 minute, 1 minute. Allez, ça repart là, c'est ouf. Ça me fait faire aller à 24 km/h sur une pente à 4%.
24 km/h. C'est même pas ce que je fais sur une ligne droite, limite. Enfin, si j'abuse. Mais voilà. Ouh, ça va piquer cette séance. À demain. Salut à tous. On est jeudi, troisième jour d'entraînement vu qu'on n'a rien fait lundi. Natation, c'est fait, 1,5 km. On a travaillé sur les appuis pour pouvoir accélérer. Puisque le maître nageur, il m'a dit que mes appuis, ils étaient pas bons. Enfin, que j'étais trop dans l'économie, donc j'ai essayé d'envoyer un peu plus. Et voilà, beaucoup de technique encore, hein, toujours. Je suis content, mes deux natations faites cette semaine, ça a réussi à rentrer. Et donc cet après-midi, j'irai à la salle pour faire du renfo de tout le corps. Bonne muscu. Et demain, vélo. Et peut-être samedi, home trainer encore, on va voir. Bon, en tout cas, piscine aujourd'hui, ce matin-là, muscu cet après-midi. Et on est déjà bien. Salut à tous. Vendredi. Donc, on est à combien là? On a fait deux vélos. Deux nattes, donc on est à 4, une muscu, 5, donc sixième séance, troisième de vélo. On va aller dehors parce qu'il fait très beau. Là, je suis en chemise et tout parce que j'avais un tournage pour Devred, une marque de fringues. Bref, beaucoup de taf en ce moment, la semaine prochaine aussi. Ça tombe mal vu toute la prépa que je dois m'envoyer. Mais on va rentrer là parce qu'il fait beau et cet après-midi, du coup, on va sortir le vélo. J'ai reçu ma nouvelle trifonction, je vous la montre à la maison. Et comme ça, je pourrais l'essayer. Je vais faire 1h30 de vélo autour de chez moi. Vélo plaisir, pouvoir sortir avant de se refaire un dernier call home trainer demain. Comme ça, j'aurai mes quatre séances de la semaine en vélo. Beaucoup de calls, beaucoup de... pour s'en mettre dans les cuisses, plus que de la distance cette semaine, mais ça fait du bien aussi d'avoir de la force pour pouvoir anticiper le col de Vence, je crois que c'est ça à Nice. Donc très bien, c'est parti, je rentre à la maison, je mange un bout et on se retrouve en trifonction. Pas incroyable, nouvelle trifonction Décathlon. Elle est belle, hein, avec ça à Nice sur les photos Ironman, mais je vais être magnifique. Il faut vraiment que j'arrive à durer jusqu'au photographe. Et après, au pire, si on s'arrête, c'est pas grave. Au moins, j'aurai des belles photos. Non, vraiment, elle est bien. J'ai hâte de la tester. Putain, j'ai eu un appel, là. J'avais oublié, j'avais un rendez-vous téléphonique. Ça fait retarder. Au final, je vais devoir faire qu'une heure. Mais vas-y, je suis obligé de sortir dehors, l'essayer et tout. Là, je vais faire une heure dehors. C'est pas grave. Juste pour le kiff, juste pour essayer. C'est parti. Clairement, hein, qu'il n'y a pas plus gros pigeons que ceux qui font du triathlon. Je crois vraiment. Hein. Niveau des achats, niveau des trucs. On est vraiment des produits de consommation, c'est un truc de ouf, vraiment. Vous vous rappelez au début quand même, au tout début, hein. Là on a l'épisode 32, 33, 34, je sais même plus, épisode en ouais, moi j'ai pas besoin, short, t-shirt, même le vélo on s'en fout, les chaussures on s'en fout, mais tu parles, ça y est, même pas un an, le type il a déjà acheté tout Décathlon. Ah ouais, non, vraiment c'est abusé. Je suis trop content de la trifonction, vraiment incroyable. Que ce soit le renfort au niveau des fesses, là, langue de chameau ou patte de chameau, parfait. Vraiment, ça va tenir. Je suis content parce qu'en une heure, j'ai grave bossé. Je suis allé jusqu'à, je crois que je suis à 28 km/h de moyenne, peut-être 29 même limite, je crois. Il faut que je regarde sur 28 km, du coup, une heure. J'ai travaillé grave en cadence. J'ai essayé de compter pour être à 85. En général, j'étais dans les 85, donc très bien. Je suis très content parce que les entraînements, ça porte grave leurs fruits. Je pense que c'est les côtes en vrai. Les côtes et même le renfo du bas, les squats et tout. Toute la muscu que je fais parce que je sens que je suis puissant à mon échelle. Hein. Comme d'hab, on se calme, tout est relatif. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de puissance là sur une heure, tenir cette puissance. J'étais que grand plateau. Et pareil, j'ai testé aussi d'avoir les mains sur les cocottes presque pendant une heure. Là, j'avais les mains... si on appelle ça les cocottes, c'est ça. Mais en gros, j'avais les mains dessus, j'étais position aéro, j'essayais juste pour tester. De toute façon, je le ferai pas à Nice, mais là, c'était par curiosité pour pouvoir prendre du plaisir, quoi, aussi. Hein. Le but, c'est de s'amuser quand on s'entraîne. Et ben, très content. Toutes les sensations, très content. Donc, c'est top. Et demain, ben, on repart sur un col sur home trainer. Hein. Allez, à demain. Bon, les gars, du coup, il y aura pas de demain parce qu'on est demain, on est samedi et j'ai pas le temps de faire
notre ami sur Home Trainer. Je le ferai demain soir, donc vous ne le verrez pas sur la vidéo. Et mais voilà, sinon, bonne semaine, on a continué de progresser. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Beaucoup de taf, hein. 2 jours de déplacement aussi, on verra. Bref, je sais pas en vrai. Mais en tout cas, cette semaine, bien, je suis content. Et on se retrouve la semaine prochaine.